On essaie de faire quelque chose dans la communauté chaque semaine. Normalement, c'est un jeudi, mais aujourd'hui, c'est particulier, c'est mercredi. Mais mes joueurs, ils participent toutes les semaines. Et on a fait la même chose l'année dernière. C'était magnifique. Mes joueurs ont bien rigolé, bien amusé. Et surtout, c'est pour une charité qui est très importante. Alors, ça va consister en quoi, là? C'est utiliser la force de votre équipe? Ouais, un peu la force, un peu la cohésion, un peu le travail comme une équipe, parce qu'il faut travailler avec d'autres gens pour être aussi efficace que possible. On voit qu'il y a plein de sacs pour verser dans le camion quand le camion arrive. Donc, c'est un teamwork. Je veux travailler ensemble. C'est important que votre équipe de rugby soit implantée, comme vous dites, dans la communauté, dans la vie de la ville. C'est important. Tous les joueurs qui arrivent ici, ils savent que c'est important qu'on gagne les résultats. Pour l'instant, les résultats sur le terrain sont bons, 11 sur 11. Mais aussi, il faut participer dans la vie de la ville et de la région. Donc, chaque opportunité qu'on a, quand nous avons le temps, bien sûr, nous travaillons dans la communauté pour aider les gens qui, franchement, qui font de très bons travail pour les autres.